Bien, salut les amis, c'est Seven. Et on va faire un petit scum aujourd'hui. C'était pas prévu, mais j'avais envie. J'étais en retard sur mon live et puis. Let's scum. Ok. Je crois qu'en plus sur le serveur, c'est bien. De respawn. Pour ceux qui ont servi le dernier épisode, on venait de crever. Pour changer. Et on a trouvé. Un Mosin avec la lunette et quelques balles, donc ça c'est plutôt cool. On va voir si on peut trouver autre chose. On va essayer de la jouer un petit peu safe. On va faire un lit, on va faire de quoi respawn. Il faut faire surtout des points de fame, sinon on est un petit peu dans la merde. Il faut dire ce qui est. Petite ration militaire, on va manger. Je crois qu'il y a une petite arme là, on va voir ce que c'est. Et ben. Non, on va garder les deux Mosin pour le moment. Idéalement, j'aurais bien aimé trouver une espèce de veste ou un truc à la con. Prendre le couteau. Il y a encore un. Il y a un quart. On va peut-être changer. Non, ça change rien. Il y a des balles de tout, on a des balles de Mosin, on a ce qu'il faut. Alors je pense qu'il y a des coffres comme ça, si jamais il y en a qui passe, il y a moyen que ça dépop. Oh, j'hésite quand même, hein. Mais bon, non, on va la faire comme ça. Si, allez, on va prendre un carré en Mosin. Je vais jeter celui-ci. On va mettre le silencieux. Ah, du coup, on peut pas mettre la baïonnette, c'est évident. Je vais charger avec des balles vite fait. Hop. Ça fera l'affaire. Ok, bon. On n'est pas terrible, mais pour commencer, c'est pas mal. Idéalement, maintenant, il faut se la jouer vraiment safe parce qu'on a plus de points de respawn. Salut Mickaël, bienvenue, t'es le premier, là vient de commencer. Faudrait vraiment que je me fasse un. Pas une base, j'ai pas le temps, mais. Un petit point de respawn quelque part avec un coffre à côté. Bon, ça va, avec la ration militaire, ça devrait passer. Faut vraiment qu'on se la joue très, 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 très safe aujourd'hui. Je suis désolé, mais il n'y a plus de fame, donc faut faire très gaffe. Non, c'est la première fois que je le trouve, celui-là. Magnifique. Oh là là, Seven le pirate. Salut Elix. Comment il va Elix? Est-ce qu'il est en forme? Ah ouais, il arrive, il met le son à fond là. Ah Elix, les oreilles. doucement. Comment ça va les amis, vous êtes en forme? Ah, il fait pas trop chaud chez vous? C'est horrible ici. Comment ça va? Heureusement que je joue dans mon sous-sol. Ça c'est la meilleure idée que j'ai eue. Alors l'hiver je me les pèle un peu, hein, mais bon je mets le chauffage. Mais l'été, quel régal. C'est-à-dire que quand il fait 30 dehors, je dois avoir un petit 22.
C'est pas mal. Ouais, vous aussi, il fait chaud. Bon, je sais que c'était pas prévu comme aujourd'hui, mais j'avais envie comme ça là. Bref. Donc, on va faire gaffe, on va faire attention. On va essayer d'éviter les zones à risque dès le début, essayer de faire quelques frames avant. Puis la jouer plus stratégique que d'habitude, enfin moins bourrin, quitte à tempo un peu plus. Hein. Le but du jeu, c'est aussi de tuer les mecs, pas de se faire que tuer. Si on sent que ça prend du risque, tant pis. Hein. Si pour le live, c'est un petit peu plus chiant à regarder, mais il faut se la jouer stratégique quand même. Faire attention. Je vais voir s'il y a quelque chose sur les trois points orange en forêt là. Par là, je crois, hein. Un peu plus bas peut-être. Je vais voir ce qu'il y a, puis on va remonter tranquillement vers les zones de fight, mais on ira très très calme, très tranquille. Hein. Ah oui, c'est le camp militaire, une espèce de campement. On va aller voir, il y a peut-être un sac ou un truc qui traîne, un pantalon. On sait jamais, ça peut toujours servir. Faut pas oublier que sur serveur en plus il y a de grosses teams, de bons joueurs, qui connaissent très très bien le jeu. Ceux qu'on tombe pas sur serveur par hasard quoi. Ce qui est bizarre dans le jeu, c'est que même quand il fait jour, t'as le bruit des grillons, quoi. Ça, c'est casse-couille. Enfin, pas les grillons, enfin les... Ouais, si, ça doit être des grillons. Hop, hop. Tu m'as inversé les armes. Ça va pas, ça. Avant que j'aie des problèmes... jumelles, mais je crois que ça n'a toujours pas été corrigé évidemment. C'est moi où ça a tiré là. Vous avez entendu le tir ou j'ai fumé? C'était un tir avec silencieux. Non, non, sérieux, sans blague. Bon, si je te fais confiance, généralement tu te trompes pas, mais pour moi j'ai entendu un tir de silencieux. Juste une balle, toum.
Merde, j'ai le bug du viseur. Évidemment, l'arme elle est totalement enrayée. Bon, il était pas équipé lui. Est-ce qu'il avait un silencieux sur son arme? Donc c'est pas lui. Bon, c'est pas grave. Ça fait un kill. Je pense qu'il vient de commencer, mais du coup ça me fait un sac, moi ça me va bien. Merci. Donc j'en étais où? Quand même incroyable, hein. Je tire deux balles, les deux sont enrayés quoi. Ça commence super bien. Mais pourquoi il me change encore la position des armes? Il y avait des balles. Ah, mais attends. Il y a le 9 mm, je vais le prendre, hein, ça peut dépanner. Hein. On sait jamais. Hein. Pas terrible, mais bon, quand on est comme on dit dans la merde, on prend ce qu'il y a. Hein. Merci, Mike. Merci, 5 mois déjà. Hein. Merci pour le resub et bienvenue à toi. J'imagine que tu es en repos, du coup, c'est quand même cool. J'espère que tu n'as pas eu une semaine trop compliquée. J'ai juste, tac, vu qu'on sait me chambrer quand il faut, je rajoute le cul. Good. On repose jusqu'à demain soir, nice. J'espère que ça va, tu vas passer un bon moment. Comment ça va? Ça fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Visiblement, il y a du boulot. Bon, ça dépanne, hein. C'est pas l'arme du siècle, mais on fera avec. Peut-être mieux même au corps à corps pour le moment de utiliser le gun. Ah ouais. Ça va commencer à être compliqué là. Hein. Ça rentre pas là-dedans. Bah tu m'étonnes, 5 nuits d'affilée, c'est... Ça fait un peu de taf quand même. Qu'est-ce qu'on prend? Ouais, on prend pas en mauvais état. Hein. La Hunter pareil. Hein. Chemise militaire, encore une Hunter. Allez, on se casse. On a pris un petit peu de fame. Ouais. Ça va, ça va. Franchement, ça va. Ça va être une dure semaine. En plus, l'anniversaire samedi. Ouhou. Je vais être un petit peu plus jeune. Et puis donc, je vais avoir un petit peu de famille. On est un petit peu au-dessus de la jauge autorisée. Mais bon, on est un peu responsable quand même. À dimanche. Donc, cette semaine, ça va être compliqué. Jeudi d'ailleurs, je ne pourrai pas live. Donc voilà, j'essaierai peut-être de faire vendredi à la place de jeudi. Et puis là, Scum, ça devait être demain, mais là, j'avais envie, donc... tant qu'à faire. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, c'est quand même un plaisir de voir mes amis virtuels, c'est cool, quoi.
Revoir les mêmes têtes, discuter, me faire chambrer. Putain, hier, on a fait un jeu d'horreur. Laisse tomber. Il n'y avait pas la caméra, mais... Ah, je me suis chié dessus. Chié dessus, carrément, hein. Franchement. Paul, beau pirate. La chemise qui va bien avec le chapeau. Et du coup, j'ai montré la vidéo à madame du jeu. Elle déteste les jeux vidéo. Hein. Pour vous dire, elle trouve ça inutile. Mais parce qu'elle aime pas du tout, elle a le droit, hein, pas de problème. Elle kiffe tellement les films d'horreur qu'elle a dit, vas-y, il faut qu'on fasse le jeu, je viendrai faire le jeu avec toi. Quoi. Donc je sais pas si on le fera en live, mais de toute façon, il n'y a pas de caméra ou pas, mais... Le jeu, il est... Il te met une angoisse, mon pote, mais laisse tomber. Mais genre, tu te sens pas bien, quoi. Bon, je vérifie que les armes soient bien chargées. C'est bon. Vu qu'on n'a pas grand-chose, en plus. Idéalement, il faudrait qu'on tue encore un ou deux gars aujourd'hui. Hein. Faire un peu de fame. Un petit peu de monde. J'ai regardé tout à l'heure. Je sais pas ce qui se passe sur le serveur, mais même en... Là, on est mardi, quoi. T'as rien à voir avec le mercredi, journée où on a qui sont à la maison ou autre. On était 58, je crois, sur le serveur. Les mecs, ils sont chauds. Oh, génial. C'est un bon loot, mais comme je fabrique rien, on va faire ça. Une plume pour me la mettre dans les... Hein ? Je laisse deviner Alix, hein. Je suis sûr que c'est une réponse qui devrait sortir automatiquement. Ou dans le, hein, comme tu veux. Ouais, c'est good. Non, franchement, le jeu était... J'avais vu quelques vidéos. J'ai volontairement pas regardé plus parce que je voulais pas être spoil du jeu. Franchement. Quand je... Nice, hein. Nice, nice, nice. Une ambiance particulière, les mecs sont un petit peu dérangés de la tête. Mais tu te chies dessus, sincèrement. Ah ouais, Alix, niveau 64, je crois qu'il est plus haut niveau que moi, quoi. Le mec, il était sub à la chaîne avant que j'arrive. Il avait déjà anticipé, quoi. D'ailleurs, je vous ai tous connu parce que je faisais du scum ou rien à voir. Je suppose que c'est scum quand même, l'origine de tout ça. Toujours intéressant de savoir. Mais je crois que c'était ça. Hein. Comme quoi, hein. Là, c'est un signe. Hein. Je joue à un jeu qui est pas très hype. Je croise que des gens cool, je devrais rester dessus en fait. Hein. Puis pas, quand j'ai pas envie de live, je fais des games hors live et je les mets sur YouTube au pire. Hein. Bon, on a fait notre 5e kill en 5 lives. Une moyenne de 1 kill par live, pas terrible, mais. Au moins ça va. Il faut qu'on en trouve encore 2 ou 3 aujourd'hui. J'aimerais bien. Ouais, il est dingue. Il est bien. Malgré ses défauts, il donne quand même envie de jouer ce con. Hein. Putain. C'est ça le pire. C'est qu'on sait qu'il y a des bugs, mais... On y retourne, quoi. Moi j'ai dit que sur cette game je ferais beaucoup plus attention que d'habitude parce que on n'a plus de fame. Le stuff encore c'est pas tellement problématique, on en retrouve un petit peu à chaque fois. Mais c'est tout le reste quoi. Pas de fame, tu perds du temps, tu respawn. Parfois on est loin.
Ça tire là. Salut Dad. On va dire du fusil à pompe. Bon. On essaie de voir s'il y a quelqu'un qui se balade. Ça venait de l'airfield ou c'était plus proche selon vous? Public, on est équipé comme des chèvres. Hein. Vous me demandez pas de rusher qu'un fusil à pompe qui est enrayé. Un snipe. Félix? Le chat. Les portes sont fermées. Est-ce que ça tirait pas plutôt à gauche? C'est là où ils ont fait l'espèce d'hôtel, non? Ah, le chapardeur. Ah! Il y a un mec là. Il va y avoir du vent. Ils sont deux. Passe pas loin. On n'a pas les mêmes armes, je pense. Hein. Ah, il est relou avec ça, lui. Ouais, on est dans la merde, ouais. Je sais pas si c'était son pote avec lui. Oh! Ils étaient bien deux. Putain, dommage! Avec une arme de merde, le mec à l'automatique. C'est pas grave, c'était cool. C'était cool, ça fait un kill de plus. Ah, j'étais dans un stress, vous imaginez même pas. Bref. Ok, ils vont être déçus, hein. J'avais pas grand chose sur moi. Ah, c'est 25 points de fame sur le secteur, donc ça va encore. Celui-là, on est monté à 70. Ouais, c'est ça. Ben, non, mais en fait, ce que je me suis dit, c'est pas... Je me suis dit que le mec me tirait de beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que pour moi, j'avais le temps de ramasser l'arme et me barrer. En fait, je voulais pas tout looter, je voulais prendre genre une automatique, machin, et me casser, tu vois. Mais je pensais pas qu'il était si proche que ça, quoi. Par contre, il doit avoir le seum de s'être fait tuer, d'avoir perdu et du fame et du temps. Et quand il va voir le stuff que j'avais sur moi, il va être un petit peu dégoûté, quoi. Bref. Bah, on va aller voir s'ils ont laissé quelque chose, on sait jamais. J'y crois pas, hein. Mais...
En plus, pour une fois, on n'est pas si loin. Je vais quand même faire une lance au cas où. On sait jamais. Là. Avec un petit quiproquo, si tu balances une lance sur un mec et tu le tues. C'est dommage. C'est quoi ce smiley, Alix? Le smiley de mort de rire avec des larmes est énorme. Le mec, il a une tête. Énorme. Bon. Quand tu veux pour couper là. Voilà. Oh putain, dommage. Bon, on est à 2 kills déjà. Comme quoi, vous voyez, prendre des armes toutes dégueulasses. Le mec, il a cru qu'en fait j'ai été blessé ou que je fuyais, il m'a rush comme un con. Lui, il a rush comme un con. Parce qu'il en aurait été un contre un s'il n'y avait pas son pote derrière lui. Il venait de se faire déglinguer, quoi. Pas grave, ça les a occupés un petit peu. Puis on commence la game avec plus de fun que ce qu'on avait, donc c'est pas si mal. On va couper les cheveux. Ça, c'est une galère, on voit que ça. Genre, tu veux être discret, t'as la touffe qui dépasse. Ça doit être plein est, on doit aller par là. Non. Philippe! Il est où, Philippe? Philippe! Je sais où tu te caches! Mais c'est que je te bute, enculé! Ah, c'est dommage! Comment il s'appelle le mec qui m'a buté là? Attendez, je vais regarder tout de suite. Il s'appelle Valik Nock. Et on a tué Samki. Ok. Je vais en profiter pour couper le chat. Tac. Pour remercier à tous ceux qui streamac, hein, je suis obligé de tout cacher maintenant, pratiquement. Voilà, la même coupe que papa. Il est BG là. Bon, à mon avis, ils vont rien laisser, hein, vu que c'était que de la merde. Et ils vont me récupérer les balles. Ah, ils se font engager. Ça tire encore. Je suis à l'eau aujourd'hui, pas pour longtemps, le temps que le coca soit frais, mais... Moi je voulais changer un peu de secteur, mais là du coup il y a toujours un peu de fight. Même si on tue pas à chaque fois, par contre on a toujours trouvé du monde. Salut Lyon! J'essaie quand même d'y aller discret, hein. Enfin, parce que j'ai fait des lances, je peux tuer les deux mecs. Hein. Il y a toujours l'attente du mec avec son drapeau. Hein. C'est dingue. Hein. On va aller voir. Hein. On aurait dû lancer une prédiction. Est-ce qu'ils ont laissé du stuff?
De toute façon, ils vont pouvoir dessus. Ouais, ils vont peut-être prendre la lunette, ces bâtards. Ce que j'aurais fait aussi, hein, d'ailleurs. Mais... Ouais, wow, vas-y. Bon, je crois qu'il veut pas me laisser, même à poil, hein. Ah, les salopes. En même temps, c'est ma... Ouais, le campeur, c'est... Ouais, mais... C'est de ma faute, hein, j'y retourne. De toute façon, j'avais rien à perdre, moi. Connard. Pardon. Non, c'est de ma faute. Bon, c'est pas grave, on va looter ailleurs. Hein. Ça servait à rien d'y retourner, de toute façon. Super, alors là... Je sais pas où est-ce qu'ils m'ont foutu. Tiens, une espèce de... Il y a une espèce de bunker safe là. Bon, on va aller le faire. Hein. Si on peut retrouver du stuff, on va aller buter ces bâtards. Effectivement, il y a du monde. Hein. À mon avis, il n'y a plus de stuff. Hein. Oh, j'en profite, je troll. Hein. Mec, il fout le bordel, il arrive dans le bunker. Hey, put your hands up! Oh, le bordel, vous avez vu tous les Z qu'il y a dehors? Enfin, on voit plus rien. Ah, par contre, le fil, ça peut m'intéresser. Si on arrive à trouver un couteau, on peut faire un... On a trouvé le couteau. De toute façon, ça tire et il y a un mec dehors, forcément. Ou dedans. Normalement, je crois que comme c'est vert, c'est une safe zone, hein, donc je peux pas me faire tuer. Normalement. Par contre, on peut se faire tuer par les Z quand même. Hein. Tu penses que si je chie sur la lampe torche, ça va mieux marcher? Désolé, hein, c'est l'heure. Hein. De toute façon, le colon était plein. Hein. Hop là. Hop. Allez, bien parallèle. Hein. Belle réussite, celle-là. Il y a un petit caca Matrix. Where is Philippe?
Je te bute en cul. Allez, on va voir si on trouve Philippe. Bon, les aides dehors sont vénères. Hein. Là, je viens d'ici. En fait, il faudrait que je trouve. À mon avis, je trouverai pas d'arbre. Hein. Le mec, il a dû tout prendre. Mais bon, si je peux trouver un peu de. Un gun ou un truc à la con. Alors, est-ce que si je prends ça dans les mains. Je peux l'allumer. Ben voilà, comme ça, celle-là. Si on trouve un VSS. Un petit couteau. Ouais, ça a été rasé. Hein. En fait, les mecs ils viennent se stuff dans les trucs safe comme ça et après. On a le sac à dos déjà. À mon avis, après, on ne trouvera rien d'autre, mais. Peut-être que le mec était trop riche, il a peut-être laissé des trucs. Hein. Rien. Eh, ça me stresse tous les aides qu'on entend dessus, là. Ça fait du monde, hein. Ils sont derrière la porte ou je rêve? Ouais. Aïe! Oh putain, bien fait flipper. Vas-y, casse-toi toi. Viens ici. T'es enfermé dans les chiottes, on va faire des trucs ensemble. Quand même, pas déconner quoi. On a tout ce qu'il faut sauf les armes. Quoi. On a le pantalon, le sac, tout bien. Je vais le prendre, mais je pense qu'on va pas utiliser. On arrive trop tard. Les merdes sauf ça c'est la killbox, ok. C'est moi ou les petits bunkers où on a oublié une partie. Ça j'ai fait, ok. Ça, c'est l'armurerie qu'on a fait. Ah mais on peut tuer bah. Moi j'arrivais comme ça en train de troller avec ma torche. Mais c'est une safe zone. Bon là effectivement ouais j'ai merdé là. En même temps je connais pas le serveur moi je savais pas. Ah putain c'est chiant ça. Bon. Voilà voilà. Mais bah, non mais je suis quand même pas con regardez. T'as un cercle vert c'est bien une safe zone le truc. Bon. Attendez, je vais poser une question dans le chat. Je vais juste couper. Histoire qu'on passe pas. Non, non, mais normalement, dans les zones vertes, les balles sont désactivées. Donc c'est qu'il y a un truc qui est pas bon. Attendez, je mets juste comme ça en attendant. Je vais poser la question sur le chat. Ok.
En attendant, bah, de toute façon, du coup, on va bouger. On va aller voir la grande ville, tiens, vu qu'on n'est pas loin. On va aller. Parce qu'il y a peut-être des règles spéciales que je ne connais pas. Donc, genre que le week-end ou. Mais non, c'est un truc qui serait désactivé. Le temps qu'on me réponde, j'avance vers le. Vers le spot. Bah, je remets le jeu, on verra si quelqu'un me répond de temps en temps. Ah, c'est con parce que je suis rentré dedans comme si de rien quoi en fait. Normal quoi. Je courais, je faisais troll, je balançais des grenades. Effectivement, si en fait c'est des cercles verts mais c'est pas des safe zones, j'ai un petit peu merdé là. Bon, bah on saura pour la prochaine fois. Hein. Ah, ça c'est con, c'est vraiment con. J'aurais peut-être dû aller lire les règles du serveur. Ouais, non, personne n'a répondu. J'ai essayé de trouver ça sur internet. Faudrait que je regarde, ça m'évitera de mourir bêtement là. Ça c'est vraiment une mort idiote, si je puis dire. Vraiment. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, on va faire un tour à la grande ville, hein. Tant qu'à faire. On est à côté, il y a des armureries. Pourquoi les fringues sont mouillées alors qu'il pleut pas? Étrange. Bizarre, bizarre. Voilà, je remets. Désolé pour les interruptions, mais j'ai pas 50 solutions. Sur en fait, dès que j'ouvre le chat, on voit le nom des joueurs et tout dessus. Mais bon, plus je peux limiter les indices sur le fait de donner des infos sur le serveur, mieux c'est. Ouais, ouais, je suis passé par la rivière, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? L'eau est polluée, t'as pissé dedans. Ah, j'avais pas vu. Ah, tu reprends le boulot quand du coup t'étais en vacances? J'ai pas vu ton message précédemment, désolé. Ah! Bah oui, gros neuneu, Seven. Bah oui. Ouais, mais il y a encore 2 mois, quand tu passais dans l'eau, ça mouillait rien du tout. Hein. Enfin, les jambes. Je vais pas faire le village, de toute façon. Je fais directos la grande ville. Oh merde, ça va mieux? En plus, c'est vrai que t'as un taf qui demande un peu de. Bah, ça bouge un peu, quoi, si je peux me permettre. Donc.
pas évident. T'es pas assis derrière un bureau, je crois. Je me suis toujours posé la question si ça va plus vite de trottiner tout le temps et ne jamais s'arrêter, ou de faire du sprint et repartir. Ah ouais, ça c'est chiant, c'est récurrent en plus. Il y a un mec qui m'a répondu, alors attendez. Ah non, bah visiblement ils disent que c'est pas des. Enfin, il y en a qui savent pas non plus, hein. J'aurais demandé si c'était une safe zone. Il y en a qui me dit non, mais c'est vrai qu'ils en parlent pas dans les règles. Alors, en fait, je suis rentré comme une grosse merde dedans. Comme si c'était. Salut Fab, pardon. Bienvenue. Je suis rentré dedans comme si c'était open bar et en fait. Le mec, il a dû me prendre pour un dingue. Tiens, il y a un mec qui arrive, qui fait du bruit, qui balance des fumigènes. Parce que je fais ça parce que je sais qu'ici, c'est une vraie safe zone. Alors pourquoi faire des petits. Ah ouais, est-ce que c'est pour noter où sont tous les bunkers? Mais non, parce qu'ils sont pas tous entourés, tu vois, je comprends pas. Ou c'est peut-être des bunkers sans mecha. J'aurais dû lire les règles en fait. Tant pis, c'est bien fait pour ma gueule. Hein. On va aller à la Big City. Normalement, c'est pas censé laguer. Mais il y en a aussi qui se posent la question et ils savent pas pourquoi c'est vert. Et comme c'est un serveur polonais ou ukrainien ou russe, plutôt polonais je crois, mais il y a beaucoup de russes dessus. Il y en a qui comprennent même pas ma question. Donc. Bref, j'irai me renseigner. C'est peut-être les bunkers où ils ont pas mis de mecha. Parce qu'il y en a qui en ont. Hein. C'est pas grave. On fait avec. Ok, on va aller faire un tour du côté des armureries. On va éviter de se casser une jambe. Bon, c'est pas censé laguer, sauf si j'ai mal, comme j'ai formaté il y a quelques temps, je sais pas si j'ai bien reparamétré. Mais normalement, la Big City, ça passe sans toucher au graphisme. Ah ouais, non mais il y a le comité d'accueil, moi je suis à poil, hein, laissez-moi tranquille. Hein. Mon souffle. Oh merde, j'allais te pisser dessus, mais. Il s'est pas laissé faire, lui. Hein. Ah, là encore. Le Mike Tyson portugais, mec. Hein. Aïe. Non, non. C'est bon, je rigole. Il m'a mis une baffe de maçon, mec. Aïe. Eh, pas avec les deux mains, là, tricheur. Voilà, c'est sûr. Et comme j'ai envie de pisser... Ouais, le mecha, bah. Moi j'en ai mangé du mecha, hein. Plus de 1600 heures de mecha, ça va quoi. Maintenant, sur le serveur où je suis, il n'y en a presque pas, voire plus. Donc ça, c'est plutôt bien.
On va aller au gymnase en direct, peut-être. Hein. C'est moi où j'ai entendu des bruits de pas. Bon, on va se casser de toute façon. Avec un peu de chance, le mec il lag et pas moi. Ça va, c'est fluide, hein? Je cours à fond, en extrême dans le jeu. Et des tout petits ralentissements comme là. Mais ça reste bien. Ouais. De la bouffe. Je vais prendre le scalpel, je pense que ça coupe mieux qu'un couteau en pierre. Si jamais je dois me taper un Z. Tout en rendant gras lui. Hein. Ah bah tiens. J'ai été blessé, je pouvais pas me soigner. Allez, on rejoue un petit peu sérieusement là. On écoute les bruits ambiants. On fait attention. On essaie de trouver tout ce qu'on va défendre. Il y a un mec en dessous ou à côté, je sais pas. On l'a entendu. Hein. Comme bazar, je lui se met à friser alors que j'ai jamais de frise. Allez, une petite arme, des balles de Hunter, quelque chose. Elle trouve moins 9 mm, même abîmé là. Putain, en plus il y a du loot là. Je fouille un peu la va-vite parce qu'il faut que je trouve un truc. Je vais arriver, je vais me faire tuer. Évidemment. Bah, il devrait y en avoir une déjà la semaine dernière. Ah ouais, mais... Ah, non, ça part pas à zéro. Putain, mais sérieux, je me tape des mecs en full AK, moi je suis avec des armes à moitié enrayées avec 3 balles dedans, quoi. Effectivement, c'est pas... C'est... Oh. C'est compliqué. Bon. Bah on va aller là, hein. Il y a un truc militaire à côté.
C'est pas comme si le mec il avait juste un MP5 ou un 9 mm, histoire qu'il y ait un fight un peu plus équilibré, non? Le mec, je l'ai loupé, il a sorti une AK, il a fait une rafale. Allez hop. Non, non, il n'y aura pas de wipe. Hein. Je pense qu'il y a une mage mise à jour classique, mais il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de wipe. Je vais passer par le village, on va passer au commissariat vite fait. Il y aura peut-être moins de monde. Moins de problèmes. Bientôt, j'aurai plus de fame pour spawn. Et même si je l'avais touché, je pense que la Hunter, j'aurais même pas one shot vu comment elle était équipée. Bon, sérieux, il court plus vite que moi. Je suis sans stuff léger. Ça, c'est nimble, ça, par contre. Hein. Archi vite en plus. Ça c'est good. Ouais, je suis en mer, j'avais plein de trucs ouverts qui prenaient des ressources pour rien. Putain, c'est chiant, les mecs ils jouent peut-être plus longtemps que moi ou depuis plus longtemps, ils sont full équipe partout où ils vont. Moi j'arrive en mode Bambi. Compliqué, hein. Nerveux hein, les aides dans le serveur. Hein. Ils sont même énervés. Hein. Allez, donne-moi l'arme et on en parle plus près. C'est pas mal ça. Hop, c'est pour faire des fouilles. Hein. Faut se protéger les mains si on doit faire une fouille rectale. Ah, c'est dégueulasse. Allez, un petit gun là, sérieux, un petit Glock là. Un petit peu de chance, c'est possible. C'est une option. Là. Ignorance. Nothing in my way.
Je savais même pas qu'on pouvait changer les radios. Ah, ils sont où dans ce cap? Allez, on y va. C'est une musique d'ascenseur, ça. Quel beau gosse. Bon, mine de rien, on rigole, mais... J'espère sincèrement que ces boulets de dev, ils ont mis des musiques de droit. Hein. Maintenant, je suis dans la merde. Vu le nombre d'infractions que je me tape sur YouTube, pas le moment. Hein. Bon, elles sont pas terribles les musiques. Elles sont meilleures dans les voitures, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas les mêmes radios que dans la voiture. Hein. Ah, je pensais qu'on écouterait plus fort si on sortait la radio du sac, mais non. T'as un mec qui passe, tu le balances une radio. Tiens! Écoute du PNL. Chut. Le mec a dû se dire, mais c'est quoi ce délire là? T'as un mec qui passe, il me balance une radio quoi. Bon, par contre j'aimerais pas qu'il me suive, j'ai pas tout stuff, j'ai rien. Blague à part. Il me suit. Allez, fais-moi un petit couteau vite fait là. Il me cherche, hein. C'est des hargneux dans ce serveur, hein, franchement. On essaie de faire une petite lance, on essaie de slow fight ou on. Oh, je vais peut-être mourir avant, de toute façon. Il me cherche, hein. Bon, j'ai le temps d'en faire une. On vient me tuer. Putain, les mecs ils sont. Ah, je suis mort, c'est bon. Hein. Ah ouais, mais il était full équipé, il a même un barrette et tout sur lui.
Et fusil à pompe. Hein. Please, help me, please. Il va me tuer, je suis en comatose. Il va peut-être me réanimer. Hein. Parce que je sais pas ce qu'il fouille, il n'y a rien à fouiller là. Non, je vais rêver. Je vais attendre un petit peu, mais je pense pas. Ouais, d'accord. Bon. Il est pas en train de me réanimer. Il me fait les poches. Ah, me mettez pas à l'autre bout, sérieux. Ah, ça va. Juste à côté de l'airfield. On est bien. Mais il y a des Z partout, tu peux pas faire 200 mètres sans me taper un Z quoi. Ou sinon ils mettent des Z en face de tous les spawns, à mon avis. Genre pour que tu galères dès que tu restartes quoi. Attendez, est-ce qu'il y aurait pas ici dans le coin? Faut que j'en profite d'être là. Un petit bunker militaire vite fait là. Ouais, il y en a un mais il est pas à côté. Ok. Tant pis. On voit de super loin quand même hein. À mon avis, là, tu vois pas les mecs s'ils passent, mais peut-être avec une lunette. Je crois que là, les portes sont ouvertes, là. Déjà, je vais essayer de pas tomber dans le vide en regardant au loin. Ouais, je sais même pas si on peut voir les mecs d'ici. Ah, j'en profite. Je sais pas si ça vous le fait entendre, votre personnage il est bugué, il perd pas d'endurance pratiquement, regardez. Là, depuis tout à l'heure je cours, je me suis pas arrêté. Et il a presque rien perdu. Genre, je peux aller jusqu'à rentrer dans un bunker dans l'airfield limite sans faire de pause. Quoi. Et on est parti de loin. Bon, c'est dommage, j'avais bien commencé le live avec deux petits kills là, et puis. Bah là on se fait déglinguer parce qu'à chaque fois on a les mains dans les poches quoi. C'est un peu chiant. Je vous le cache pas. Surtout qu'il reste encore 15-20 minutes de live, j'aimerais bien refaire un kill ou deux quoi. Ah non, elle fait une petite pause endurance. Quoi. Faudrait qu'on arrive à habituer un mec par surprise avec un petit gun ou un truc dans le genre et qu'il ait beaucoup de fame histoire que ça. Qu'elle nous fasse un petit bump.
Super. Merci. Désolé, hein, j'étais sous Windows, je faisais un petit truc. Non. J'activais le cheat. Yes, Ratal! Bienvenue à toi. Ouais, deux petits kills en... Deux kills sympas en début de game. Et puis depuis tout à l'heure, on se fait déglinguer parce que je me tape que des mecs full équipés. Et je suis les mains dans les poches. Donc c'est pas facile. On va essayer de trouver quelque chose en speed. Putain, mais ils étaient pas là il y a 2 secondes, sérieux. Ils viennent de spawn, le bâtard là. Ah, les relous. Putain, j'ai flippé quoi. Ah, c'est sympa. Allez, un petit peu de loot, ça. La casquette qui va bien avec. On a trouvé le gun, le chargeur et les balles là. Puis on sait qu'il y a du monde depuis tout à l'heure. Du monde de partout dans le serveur. Même dans les camps paumés, on croise des mecs quoi. Dans le barillet, on sait jamais, ça peut servir, ça peut dépanner. Allez, un petit chargeur de Glock. Presque beau gosse, hein. Ah, y a même le sac à dos, c'est Noël là. Looter tranquille. Voilà. Bon. Déjà, on est quand même pas bien là pour le moment. Hein. C'est pas les 3 balles de fusil à pompe en plus des balles vertes hein, pour tuer les pigeons là qui vont nous sauver. Hein. C'est mieux déjà. Pas terrible, mais c'est mieux. Bon, idéalement, si vous pouvez trouver des fringues d'une autre couleur, ce serait mieux, ce serait moins visible. Mais bon, on fait avec. Bon, pour le moment, je vais remplir ça, hein. Tant pis. Hein. De virer les balles, on les voit plus. Il les a jetés, il les a virés, mais.
Oui, je refais pas le coup de la mine, je vous rassure. Avant, c'est mieux. Comme j'ai pas envie de les tuer, ça fait trop de bruit. J'ai pas eu une meilleure solution que faire ça. Allez, un bon petit loot, une automatique, un truc là. Voilà, par exemple. Je crois qu'on a un chargeur ici, 3 balles. On va pas aller loin, mais bon, c'est le début de la fortune. Idéalement, je pourrais trouver un Glock, ça serait vraiment top. Enfin, d'habitude on trouve pas de sac, là c'est le troisième, incroyable. Gardez discret, petit silencieux. Qui n'est pas silencieux d'ailleurs au passage. Pas top. Bon. On va essayer de sortir ici sans se faire buter. On va aller continuer à fouiller le hangar en face. J'espère qu'il n'y a personne pour le moment. Là, par contre, je vais poser de la mine. Hein. Dans les buissons, machin. Quitte à faire chier, hein. Putain, par contre, c'est ouvert en face. Hein. Ouais, c'est mieux. Un petit peu plus discret. Bon, même s'il n'y a pas de viseur, ça peut dépanner. Ça fait quelques slots de plus. Un petit rail, ça serait top là. Comme ça, je mets le viseur, même s'il n'est pas terrible.
Pour le moment, j'ai bien pour le moment. Ça a l'air calme. À chaque fois qu'on vient ici, on trouve une arbalète, quoi. C'est dingue. Hein. Juste le pantalon a changé qui est un peu trop visible. Ils ont leur base qui a une visu directe sur leur fielder. Ouais, ce qui a déjà dû être raide, mais bon. C'est bizarre qu'il n'y ait personne, alors que depuis tout à l'heure on s'est tapé du monde ici. Hein. Ah mais c'est archi lourd ce truc-là, là. Trouve de la place pour la S-Val. Je pense qu'il y a des stacks de balles à faire, mais c'est pas évident, je les vois pas là, enfin pas aussi facilement. Ça je vais le bouffer, je peux le mettre ailleurs. C'est pas ici qu'on était déjà mort sur les pièges à clous. Genre on n'avait pas fait gaffe en montant les escaliers. Ouais, ils y sont plus. T'es bien calme, pour une fois. Ah bah je vais très vite faire le bal, de toute façon c'est du traçant, j'en veux pas. Enfin je vais le mettre dans le chargeur, de toute façon. P5, ça on s'en fout, c'est de la fumigène. Ouais, on va mettre les balles là-dedans, ça fait gagner de la place. Voilà. Bon, on va essayer de traverser, mais je le sens pas du tout. Oh, arrête tes craques.
Moi je dis ça sent la douille. C'est trop simple. Enfin. Le nombre de personnes qui rôdaient autour. C'est tout le problème de ces serveurs sans mecha, c'est que les mecs peuvent être n'importe où, quoi. Ça peut être sur le toit, ça peut être dans la tour de contrôle, machin, comme t'as pas les mechas qui viennent te mettre une pression, bah tu joues aussi différemment le jeu, donc... Ouais, je vais quand même boire en regardant la fenêtre. Jamais si quelqu'un passe. Si on entend du bruit ou quelque chose. Bon, en tout cas, là on a un tout petit peu de stuff. Rien de dingue, mais ça serait pas mal de le garder celui-là. Ça c'est naze. C'est calme. C'est calme, c'est calme. D'ambulance ou vrai zombie qui gueule? Là on l'entend, pas de problème, mais l'autre c'était plus loin. Ah, il y a un drop qui tombe là-bas. La question est, de toute façon, est-ce que l'AK a autant de portée? Je suis même pas sûr. Essayer de pas aggro tous les Z. Hein. Putain, je pensais que c'était un mec qui s'était penché, genre au décal, quoi. On a tellement pris cher aujourd'hui que je vois des mecs partout, quoi. Oh, il loupe ses coups de couteau, le con.
Oh vas-y, il est nul au corps à corps. J'aurais dû lui mettre un peu plus en... En même temps, je regarde pas totalement le Z, je regarde surtout ce qui se passe autour, voir s'il n'y a pas un mec qui me casserait les pieds là. À se soigner. 10 points de fame. Là, on est bien là. Là, ça y est, ça va mieux. Hein. Ah oui. Bien sûr, je suis bloqué. Oh là là. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Putain, t'es bloqué entre les caisses, quoi. Bon, allez, comme ça. Je fais des... Comment dire, des finishes de live comme avec la mine, c'est de pure beauté. C'est n'importe quoi. Bref. C'est le jeu, c'est de ma faute. Fallait pas me mettre entre deux sacs, hein, évidemment. Tout le monde sait que deux sacs t'empêchent de bouger. Hein. Donc voilà, de toute façon, je devais arrêter à 45, il est 40. C'est très très bien. On aura fait quand même 2 kills d'aujourd'hui. On est où là? On n'est pas très loin de l'airfield, on pourrait y retourner si on veut en plus. Et puis voilà, c'était bien drôle. Hein. À chaque fois, on a une belle mort totalement différente. Ça, c'est les avantages du 7 Live. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, je laisse le mec courir jusqu'à la fin de sa stamina. Merci à tous, on se retrouve demain pour probablement Scum. Ou ça dans Days Gone, ce qui était prévu, on verra. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao ciao les amis, et portez-vous bien, faites attention à vous. Hydratez-vous, il fait chaud. Et à bientôt, ciao ciao.